Bismillah. À New York, je vais prendre le thé en fin d'après-midi avec une artiste hors du commun. Elle travaille dans une banque à Wall Street, mais un jour, elle a fait un rêve. Elle devait se rendre dans 12 endroits du monde et dans chacun de ces lieux, faire un ouvrage de peinture et de sculpture à même la nature. Jusqu'à présent, elle a réussi à réaliser 4 de ces ouvrages. Elle me montre les photos de l'un d'eux. Un Indien sculpté dans une caverne en Californie, tandis qu'elle attend les signes à travers ses rêves. Elle continue à travailler à la banque. Elle trouve ainsi de l'argent pour voyager et poursuivre sa tâche. Je lui demande pourquoi elle fait cela. Pour maintenir le monde en équilibre, répond-elle. Cela peut paraître une sottise, mais il existe une chose ténue qui nous unit tous et que nous pouvons améliorer ou abîmer à mesure que nous agissons. Nous pouvons sauver ou détruire beaucoup de choses d'un simple geste qui parfois semble absolument inutile. Il se peut même que mes rêves soient des sottises, mais je ne veux pas courir le risque de ne pas les suivre. Pour moi, les relations entre les hommes ressemblent à une immense et fragile toile d'araignée. Par mon travail, je tente de raccommoder une partie de cette toile.